bonjour frère Maxenio, comment nous c'est JFL, Cuisine Créole, votre chef à la maison qui rentre la canou, me dit nous, merci. Merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi, merci pour partager nous, continuer à partager vidéo pour moi, et moi très content. Ma prends un petit temps pour moi, saluer 3 abonnés de façon spéciale. Moi saluer Vadna Georges, Godès V, Teddy Clermont. 3 abonnés ça, c'est 3 grands abonnés moi gagné. Qui inscrit sous chaîne moyen qui a payé par mois. Moi, je dis un grand merci de tout cœur. Je dis à la moi, préparer pour nous un petit classique haïtien. Moi, préparer un petit soupe de pain pour nous. Nous allons mettre soupe de pain à table. Pour nous commencer la soupe là, je prends 10 tranches de pain, je vais mettre tremper dans de l'eau. Sauf l'eau qui a cassé, sauf l'eau qui n'a pas cassé ou la qui a cassé là-dedans. Qu'on a là, pendant la trempée, on va le faire, viande là. Maintenant, là, c'est pas de veau. Veau, c'est ça, nous avons bébé, bœuf là. Et puis après ça, on va faire des petits os qui sont moins là-dedans. Qu'on a là, on va mettre chaud, on va mettre un petit l'huile d'olive. Pas beaucoup. Qu'on a là, on va le colorer, viande là. Pendant que viande là colorée, on va assaisonner. On va mettre un petit sel. Et moi, je mets des poivres. Je vais assaisonner de l'autre côté encore avec un petit sel. Un petit poivre. Une fois que nous avons commencé à colorer, une fois que je fais tous les deux parties, je vais finir de suer. Je vais vider le chaudière. Quand il y a là, je vais aller colorer la viande. Mettez 2 cuillères pas de tomates là-dedans. 2 cuillères pas de tomates, ça, je vais mettre là-dedans. Je vais tout de suite, je vais mettre V8 dans le soupe. Une fois que je mets pas de tomates là-dedans, je vais mettre là. Je quitte pas de tomate là, petit j'en bien cuite avec viande pour que je cherche bon goût pas de tomate là même. Une fois que je garde moi pas de tomate moi bien coloré, je viens avec une tasse d'oignon moi mettre là-dedans. Ça lui même c'est 2 belles cuillères de l'ail que moi mettre là-dedans. Ça c'est 3 quarts de tasse de céleri, moi te mettre plus ou te pas mettre tout sous pas gain. Ça c'est une tasse de carotte moi coupé en cube moi mettre là-dedans. Moi mets ton petit poivre, moi mets ton petit thym, moi mets de l'eau. Moi fin mets de l'eau à la hauteur de la viande. Moi mets couverture moi, qu'on a diminué du feu à mettre la E6. Pour qui ça mette la E6, pour même l'eau quand on a lancé les pour cuire, les pour mettre l'autre l'eau encore. Qu'on a le bras frémi, les pour cuire tranquillement. Et mais qu'on a pendant le bras cuire là, qu'on a là, on va le partir sous plat pour nous. Nous pas oublier pain trempé. Et pas oublier de mettre pain trempé. Pas besoin qu'on est là. Ça fait au moins 40 minutes la tremper, moi déposer moi vider de l'eau. Gen moun qui fait li pas tremper pain pour jeter de l'eau. Son bonne son pour faire pareil là. Moi prend pain, moi mettre là dans chaudière moi. Moi venir avec bouillon de poulet que moi fait matin. Moi qui t'en décanté, moi retirer qu'on a celui là, moi déposer bouillon de poulet là-dedans. Mettez à la hauteur aussi pain. Moi venir avec 3 tasses de pinard. Maintenant, qui sont 3 tasses d'épinards ou 4 tasses d'épinards, ça n'a pas d'importance. On va mettre quantité d'épinards. Si toutefois, on va mettre cresson, on va diminuer l'épinard pour mettre plus de cresson. Si on va mettre plus de poireaux, la même chose aussi. Donc, légumes, on va aller à la façon de nous-mêmes. Et moi, je mets une tasse de poivrons rouges. Ou tu vas mettre poivrons rouges, verts et jaunes. Quand on a là, on va assaisonner, on met un petit poivre. Tu dis clairement, je salie. Quand on a là, je mets une couverture sous lui. Je vais mettre le bouillon tranquillement. Pas avec un peu de feu. Je vais seulement mettre la 4. La poulet juste à frémir tranquillement. Après, ça m'a vu sous l'eau. Mais sous la 4 bouillon tranquillement là, je vais pas brasser. Quand on a mis la viande là, la bouillon là. Quand on a qui ça, je vais faire. Je vais aller juste passer un petit cuir là-dedans pour s'il coule en bas. Il va coller. Et voilà. On quitte la lèvre. Je vais faire rien encore là. Il faut qu'on cuite là. Je vais même besoin de peser le moyen de la poulet. Tout point toujours à bouillir à 4
et viande moi a bouilli aussi à 6. On quitte ou aller quand au fin près et puis m'a vienne devant. Quand on a mis sous plat moi des veli qu'on a pain bien cuit qu'on a là moi t'a crasé sous plat. M'a comme pas oublier m'a mettre sel là. M'a coup brasser c'est première fois m'a brasser là. Quitte le bien bien cuit ça fait presque une heure temps la bouilli avec petit feu doua. M'a brasser. Qu'on a constaté sauf ça qu'on a pas gain boule pain là-dedans parce que pain était bien trempé et puis me quitter bien cuit tout. Là ça me fait là diminuer du feu parce que pain écrasé. Moi diminuer du feu mettre là un juste pour l'onti j'en chauffer seulement qu'on y a là m'a prétendre que viande là fin bien cuite après ça pour mal venir faire finition pour nous. Viande moi là, il est commencé à décoller, ça veut dire il cuit. Moi diminuer volume moins. Moi te mettre la cuite à E6. Qu'on a là moi mettre là à E4. Godès vie moi salio et moi dire merci aussi. Moi pour venir avec soupe là, moi va mettre là-dedans. Qu'on y a là moi fin mettre toute soupe là, qu'on a brasser et voilà. Waouh. Ça c'est un classique créole lié. Ça son bagage tout haïtien connaît, un soupe créole. Ben c'est parfait ça, c'est excellent. Il y a des gens qui ont mis des bananes dans la soupe, des gens qui ont mis des yams, des gens qui ont mis tout sauvé là-dedans, mais soit mettez toujours cuite à part. Et maintenant, qu'on n'a pas ajouté tout sauvé pour mettre déjà cuit. Je songe, je ne vais pas mettre sel dans la soupe. Là. Pas oublier la soupe là, elle est faite avec un bouillon de poulet. Sinon, par contre, comment vous nous faites, juste taper JFL, bouillon de poulet, vidéo à monter sur YouTube. Même venir avec un petit persil là, qui c'est une cuillère, je vais mettre là-dedans. Persil haché. Là, même venir avec un petit piment bouc, je vais enlever toute graine là-dedans, je vais prendre un pot, je vais mettre là-dedans. Je vais caler pour entier, mais c'est mettre là-dedans. Quand il y a là, là, c'est beau, hein? C'est vraiment beau, c'est belle là. Pas besoin de V8, pas besoin de vous mettre là-dedans là. C'est excellent. Mais sauf que, je vais mettre un sel. Pas beaucoup là, mais je vais mettre un petit sel. Mettez un petit cuillère de sel là-dedans et moi mettez poivre encore. Là qu'on a moins brassé, poisson j'aime de mettre du feu à E4 qu'on a là, mettez du feu à E2. Ma quitte le fonti frémi et pas fait ça. Regarde-moi ça. Waouh. Vadna Georges, moi salut au moins dire merci pour encouragement ou ça c'est vrai soupe que l'un des petits monotes qu'on a bu là. Qu'on a ma quitte le fonti frémi pendant un petit 5-7 minutes. Et puis après ça, je vais le mettre dans un bol pour me présenter pour nous. Je vais venir avec ce bol ça là, je vais faire comme une entrée dans tout grand restaurant qui baille soupe. Bien sûr que vous ne pouvez pas rentrer avec Gosse Monsieur Vienne ça, c'est vrai. Ça c'est notre identité. C'est identité pas nous. Cuisine créole nous. C'est comme ça nous manger, c'est comme ça. Et voilà. Je vais faire comme ça comme entrée. Tout le monde, quel était blanc, il vient là-dedans. Comme blanc dit souvent. Ça fait différent. Sauf que conseil m'a baou, puis go fin fait yon soupe à pain comme ça pour baye moun comme entrée et puis après son mette au morceau un baguette pain beaucoup de là tout pour on a manger là par exemple. C'est beau et puis c'est bon aussi là. Bon goûter moi qui ça le dit. Mais hein, c'est beau et puis c'est bon, c'est très goûteux. M'a payé yon fortune pour boire cette soupe ça là. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédon lundi, votre chef à la maison, tu rentres la canne, merci. Au revoir.